Henri Briard, bonjour. Bonjour Yves Triard. Vous êtes avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, et l'une de vos spécialités est la responsabilité de la puissance publique. Comment devient-on un praticien reconnu euh, de cette matière Au commencement, Yves, il y a une décision rendue par le Tribunal des conflits le 8 février 1873 avant cette décision, la france vivait dans un régime d'irresponsabilité absolue de l'état. c'est l'adage ancien, le roi ne peut mal faire. c'est aussi ce qu'exprimait le président édouard laferrière quand il disait que l'exercice de la souveraineté ne souffre pas de compensation. ce principe prévaut aussi dans les pays anglo-saxons. the king can do no bad, no wrong. Et également aux États-Unis, où on applique encore ce que l'on appelle la sovereign immunity, euh, l'immunité souveraine. Et puis les choses ont évolué. Il se trouve que dans les années 1870, une petite fille de 5 ans et demi a été victime d'un accident, un wagonnet qui l'a très gravement blessée. Elle a été amputée. Et euh, ce wagonnet était celui de la manufacture des tabacs de Bordeaux, entreprise publique. Et le père de cet enfant a très naturellement saisi le juge civil en se prévalant euh, du régime de euh, l'article 382 de l'époque. Et le tribunal des conflits lui a dit non. Cette fois-ci, euh, le juge civil n'est pas compétent. La décision sur Blanco qui est euh, pour tous les praticiens un, un arrêt fondateur de la responsabilité de la puissance publique et peut-être même aussi du droit administratif en général, cette décision dit plusieurs choses. Elle dit l'État est responsable des dommages commis par ses services publics. Le code civil ne s'applique pas, ce sont des règles spéciales. Cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, et c'est le juge administratif qui est compétent. Et depuis euh, cette décision euh, Blanco, il y a en effet des praticiens euh, du droit de la responsabilité. Et pour ma part, euh, j'exerce euh, cette matière depuis une trentaine d'années. François-Henri Briard, quels sont les, les, les principes de fonctionnement de la responsabilité de la puissance publique Alors, On est tout à fait en dehors du champ euh, classique du droit civil. Euh, je l'ai dit, ce sont des règles spéciales qui sont d'origine essentiellement jurisprudentielle. Il y a eu quelques lois, euh, notamment en matière de prescription, en matière de régimes spéciaux, mais c'est vraiment le Conseil d'État qui a été le grand architecte de ces questions de responsabilité des personnes publiques. Il y a des grandes catégories. Il y a euh, la responsabilité pour faute, euh, c'est le domaine d'élection euh, des décisions illégales lorsque l'administration. Euh, Adopte une décision illégale, cela constitue une faute de service et qui est de nature à engager la responsabilité de cette personne publique. Il y a aussi des régimes de responsabilité sans faute. C'est une construction tout à fait originale et qui est fondée sur le principe d'égalité devant les charges publiques. Si vous administrez, subissez dans l'intérêt général, un dommage anormal et spécial, vous pouvez euh, être indemnisé si ce dommage est en lien avec cette mesure d'intérêt général. Et puis, euh, il y a aussi euh, des lois, et notamment, par exemple, en matière de dysfonctionnement du service public de la justice, le législateur est intervenu également dans d'autres domaines. Et devant quel juge intervenez-vous Alors, c'est essentiellement le juge administratif. Euh, tribunaux administratifs, cours administratifs d'appel et conseils d'État. Il y a des zones de compétences judiciaires, euh, par exemple euh, en matière d'erreurs judiciaires, en matière d'indemnisation de, des victimes euh, d'infractions et en matière de dysfonctionnement du service public de la justice. Alors, ce sont des procédures qui sont sans doute longues et compliquées Elles sont longues. Oui, euh, il faut être patient, déterminé. Je dirais que euh, dans ma carrière, j'ai connu des procédures indemnitaires qui ont pu durer entre 5 et 15 ans. Euh, c'est un combat assez rude. Euh, il y a peu de transactions au cours de procédures. Il faut se battre avec patience, euh, en sachant, c'est un peu une consolation, que euh, les intérêts moratoires capitalisés courent pendant toute cette période. Et est-ce que l'Europe vous sert à quelque chose L'Europe ne sert pratiquement à rien dans ces contentieux indemnitaires, sauf peut-être lorsque vous recherchez la responsabilité de l'État qui a mal appliqué le droit de l'Union, ou quand vous allez devant la Cour européenne des droits de l'homme pour demander une satisfaction équitable après avoir épuisé les voies de recours internes. Et alors, qu'en est-il quand il y a des désordres sur la voie publique, des dégradations euh, que la puissance publique, précisément, n'a pas pu empêcher Vous voulez parler, Yves, de ce que le général de Gaulle appelait la chianlie, n'est-ce pas Exactement, euh, voilà. C'était en 1968. Absolument. Mais on a connu d'autres phénomènes un peu plus récents et euh, qui ont engendré beaucoup de désordres, notamment euh, à Les Paris. Les jaunes, voilà. Alors, euh, c'est précisément une matière qui est régie par la loi. C'est l'article L211-10 du Code de la sécurité intérieure. C'est un régime d'indemnisation des victimes des dommages euh, et violences qui sont commis à force ouverte. Euh, donc, responsabilité sans faute. Vous ne devez pas prouver la faute des, des forces de l'ordre. Il y a quand même une nuance. Ce régime ne s'étend pas aux actions des casseurs. Les actions préméditées qui sont en principe distinctes de la manifestation. Ce régime a pour euh, finalité d'indemniser le risque social et on considère que ce qui sort de ce périmètre du risque social n'est pas indemnisable, sauf, sauf évidemment l'hypothèse de la faute lourde commise par euh, les forces qui sont chargées du maintien de l'ordre. Le niveau de la faute lourde est évidemment très élevé en matière d'opérations matérielles de police. Et alors en matière de fiscalité, quand le fisc est, euh, euh, commet une faute, est-ce qu'il est, est qu peut être tenu pour responsable Mais votre question me plaît parce euh, que c'est précisément... Ça concerne sans doute beaucoup de gens. C'est précisément euh, le premier dossier que j'ai été conduit à instruire euh, il y a euh, 42 ans. Et le contribuable était un petit entrepreneur qui avait été ruiné par euh, l'administration fiscale. Et il avait d'ailleurs écrit à l'époque un livre qui était intitulé Sous la patte du molosse. Et nous avons recherché euh, la responsabilité de l'État. On a perdu, évidemment, puisqu'à l'époque, la faute lourde était exigée. Et puis la jurisprudence a évolué euh, de, de la faute d'une exceptionnelle gravité. On est passé à la faute lourde, puis en 2011, à la faute simple. Et aujourd'hui. N'importe quelle faute simple commise par l'administration fiscale engage sa responsabilité, notamment un redressement, une rectification qui n'est pas fondée. Il faudra ensuite, évidemment, prouver la réalité du dommage et le lien de causalité qui existe avec la faute de l'administration. Alors, l'actualité nous oblige à parler, évidemment, de la crise sanitaire. Nous sommes en plein dedans. Est-ce que, dans la gestion de cette crise sanitaire, l'État peut-il être tenu pour responsable de quelques manquements C'est en effet un thème d'actualité. Vous avez vu que la Cour de justice de la République a enregistré, je crois, plus de 90 plaintes... Oui, euh, à peu près. ...dirigées contre des responsables politiques. Euh, C'est euh, un domaine dans lequel euh, la jurisprudence pourrait être euh, appelée à intervenir. Je pense qu'il faudrait euh, distinguer deux périodes. Il y a euh, la période antérieure à l'apparition de la pandémie. Et là, euh, très clairement, on est dans le domaine. Euh, de la faute simple constituée par, euh, je dirais, l'impréparation de la France et euh, qui est d'ailleurs a été reconnue par les pouvoirs publics, euh, l'impréparation que ce soit euh, en matière de masques, en matière de mesures de protection, euh, de structures d'hospitalisation, les lits de réanimation. Euh, et euh, on peut très bien concevoir euh, que la responsabilité de l'État soit recherchée à ce titre. Il y a des précédents. Il y a des précédents, le médiator, euh, l'amiante. Euh, en revanche, pour ce qui concerne la période postérieure à l'apparition de la pandémie, je suis quand même beaucoup plus dubitatif parce que le Conseil d'État pourrait appliquer ce que l'on appelle la théorie des circonstances exceptionnelles qu'il a déjà mis en œuvre dans des situations de pandémie humaine ou, ou animale, et là, évidemment, euh, les circonstances exceptionnelles, qui sont caractérisées par la difficulté de faire face à un phénomène dont on ne connaît pas les caractéristiques, la gestion de ce virus qui était inconnu. Euh, évidemment, est très difficile. Et donc là, je pense que euh, le Conseil d'État pourrait être conduit à rejeter ces euh, actions. Mais au titre de l'impréparation de la France, euh, il y a certainement matière à contentieux. En matière indemnitaire, hein, François-Henri Briard, quels sont vos derniers succès Nos succès, nos trophées, vous voulez dire. Nos trophées euh, nous avons euh, plaidé euh, une affaire de responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles euh, qui a donné lieu à des arrêts d'Assemblée en décembre 2019. C'est une avancée considérable. Euh, ceci est pour la France, euh, pour Monaco où nous intervenons régulièrement euh, avec le concours de mon ami Arnaud Zabaldano, avocat défenseur à Monaco. Euh, le tribunal suprême a rendu le 25 juin dernier une décision euh, tout à fait novatrice par laquelle il a condamné l'État de Monaco euh, à verser à un opérateur économique, un promoteur immobilier, la somme de 140 millions d'euros. Et c'est une décision importante pour les opérateurs économiques, de savoir qu'à Monaco, euh, la règle de droit est appliquée, que la justice existe. Et nous avons fait à cette occasion, et ce n'est pas un commentaire de ma part, cela résulte de la décision, nous avons fait entrer à Monaco la sécurité juridique et la confiance légitime. Alors, au terme de cette interview sur la responsabilité de la puissance publique, euh, auriez-vous une conclusion à formuler euh, Je dirais que ces contentieux, au-delà de l'aspect technique que nous avons évoqué, ces contentieux nous renvoient au fondement de l'action publique l'action publique qui s'exerce dans l'intérêt de la société civile, euh, qui s'exerce pour le bien commun, mais qui doit être une action publique éclairée et une action publique responsable. merci, françois Rubriard. merci, evrard.